Salut tout le monde, c'est Barnabas Pio 112 qui vous parle pour une interview. Aujourd'hui, je suis avec Zelrio, bonsoir. Bonsoir. Oula. Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais. Alors, on va commencer la première question. Depuis quand as-tu commencé LBP Zelrio? Zel? Oh, parce que je l'ai acheté avec. Et au début, j'ai acheté la PS3 avec Uncharted 3 et mes parents m'ont acheté aussi LBP2 avec, donc ça a été vraiment le premier jeu que j'ai joué. Voilà. Le tout premier quoi, le tout premier que t'as testé. Oui, le tout premier. Enfin, j'ai joué aussi Uncharted, mais mon tout premier que j'ai testé, c'était LBP. D'accord, et qu'est-ce qui t'a plu dans ce jeu exactement? Le fait de pouvoir créer, surtout, parce que c'est vrai que j'aime bien créer des choses, donc c'est vrai que jouer à un jeu, on peut créer des petits univers comme ça, des petits niveaux qu'on partage avec la communauté. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Puis c'est un niveau de plateforme, donc c'est vrai que un jeu de plateforme. Oui, mais bah, c'est vrai que c'est un jeu d'aventure, quoi. Oui, voilà, aventure plateforme. Ouais. Et comme tu sais que LBP3 va bientôt sortir sur PS4, est-ce que tu imagines déjà comment ça va être le jeu? J'aimerais qu'il passe à la 3D, parce que c'est vrai que la 2,5 c'est bien, mais c'est très limité en termes de création, on est très limité, on peut pas faire tout ce qu'on veut, donc c'est vrai que voilà. Et du coup, ça te plaît pas trop quoi? Non, pas que ça me plaît pas trop, mais c'est que moi par exemple là, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas joué à LBP, parce que j'ai décroché un peu, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, on s'ennuie vite et parce que on a utilisé tout ce qu'on voulait en création, on n'a plus vraiment d'idées. Et si on veut une idée, il faut vraiment avoir un gros projet. Il faut avoir du temps. Voilà. Ah, d'accord. Alors, j'aimerais bien un truc en 3D, ça serait pas mal. Ouais. Est-ce que tu connais des créateurs francophones qui sont très doués ou avec qui tu contactes? On va dire. C'est plus des youtubeurs maintenant, mais on a Codex qui est un très très bon créateur en ce qui concerne la logique, hein, ça c'est on voit qu'il est très doué. Il y a beaucoup de créateurs sur la logique qui sont très très bons, mais bon, ceux que je connais c'est Codex, il y a Bad19, Lucas Lelu, oui, ouais. qui fait pas beaucoup de création, mais plus de la plateforme. Mais d'après les niveaux qu'ils ont fait, tu trouves qu'ils sont assez sympas? Ah oui, ils sont très très bons. Ouais. Est-ce qu'on peut dire d'autres? Et est-ce que tu as d'autres comptes avec qui tu pourrais partager tes moments? Je sais pas. Un compte YouTube. D'autres quoi? D'autres comptes. D'autres comptes, c'est-à-dire? C'est-à-dire genre un compte internet comme des youtubeurs, quoi, comme si tu fais avec des youtubeurs. Bon, je connais pas vraiment grand monde. Hein. Ouais, mais tu as un compte YouTube ou quoi que ce soit, t'as d'autres comptes? Ah oui, j'ai un compte YouTube. C'est HydroSan 900. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule vidéo. Mais... ouais, c'est la présentation de la chaîne. Il y avait même aussi l'introduction. Eh oui, mais malheureusement, le problème c'est que je suis très limité en termes de connexion internet et j'ai que 4 mégas. Alors, pour certains, ça va paraître gros, mais... C'est pour uploader une vidéo, il faut un peu plus parce que moi, quand j'ai voulu uploader ma vidéo, au d'un moment, j'ai vu afficher 1100 minutes restantes. Ça a dû durer des jours. Non, je n'ai pas uploadé du coup, j'ai pas pu. Donc, je faudrait quand je pourrais. Ah oui, quand tu auras une bonne qualité internet. Donc, question suivante. Où habites-tu en ce moment? C'est une question personnelle. Dans ma chambre. non, ça, plus sérieusement, pour ceux qui veulent savoir, en Charente-Maritime. Pour ceux qui savent pas, je pense que tout le monde connaît Fort Boyard, c'est à côté. Ah, j'ai déjà été, moi. C'est simple, moi j'ai vu Fort Boyard quand je regarde la mer. Ah. Donc c'est vrai que je suis à côté, donc j'ai si vous voulez, pour ceux qui connaissent un peu, j'ai quelques îles à côté de chez moi. J'ai l'île de Ré, j'ai l'île de Léron, j'ai l'île Madame, j'ai un peu toutes les îles. Ah bah carrément, t'es entouré. Et donc on va
Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une capitale, mais moi je trouve que c'est un peu la capitale de la du Poitou-Charentes, mais loin de La Rochelle. Bah. Ah ouais. Il y a un très beau port. Il y a un très bel aquarium. Un très bel aquarium, c'est-à-dire. Oui, l'aquarium de La Rochelle, qui est pas mal, qui est très bien rempli. Bon, il y a des poissons qui on ne trouve pas non plus, mais on ne peut pas non plus tout mettre dans un poisson. On est quand même parti dans les aquariums. Hein. Ah là là. Dis-moi, est-ce que tu as déjà voyagé aussi dans ta vie? Voyager à l'étranger ou quoi que ce soit? Alors, récemment, j'ai été en Espagne. Ouh. Donc, qui est pas très loin non plus. Hein. Bon, c'est quand même 6 heures de route, enfin 7 heures, parce que 6 heures, c'est ce que j'avais fait en fait aux Pyrénées, en vacances. Ouais. Et on a profité pour aller en Espagne, puisque c'était à 1 heure de route de l'endroit où on était en vacances. Donc, ça, on en a profité. Et sinon, d'autres pays où j'étais en Belgique, et c'est quand j'étais plus jeune, donc c'est vrai que je ne me rappelle pas trop. Ah ouais. J'avais été à Bruxelles, oh. Pour ceux qui connaissent. J'avais été dans un hôtel qui était assez sympa. Donc pour vous dire, dans les jeux vidéo, c'était le temps où j'étais encore à la Game Boy, donc voilà, ah ouais. C'était normal. Justement, en parlant de Game Boy. C'était quand j'avais 4-5 ans, donc ça ne fait pas vraiment. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Game Boy, quelle est la première console de jeu que tu as joué? Bah, pas la Game Boy en fait, ça a été la GameCube. Parce que c'était la console que j'avais chez moi, la console de salon que mes parents jouaient. Et donc, comme jeu dessus, j'avais Zelda Wind Waker qui est mon jeu préféré, même toujours aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait en HD sur la Wii U, j'ai très bien aimé, même si je trouve que les améliorations qu'ils ont ajoutées, bah, c'est un peu cheaté, mais bah, je trouve que ceux qui ont encore la GameCube, à mon avis, ils ragent un peu. Mais bon. C'est vrai quand même que la GameCube, il est sorti il y a vraiment un bon bout de temps déjà. Date de 2000, des années 2000 pourtant. Elle date pas si longtemps que ça. Bah, c'est la je sais pas si ça se dit en français. C'est pas français ce que je dis. C'est la console qui vient avant la Wii en fait. Ouais, je ne connais rien en jeu vidéo. Mais il me semble que la PlayStation il est sorti en 1998. Je suis pas sûr. Je sais pas. C'est bien ce qu'il me semble. Je sais plus. La PlayStation, j'ai moins suivi. Ouais, parce qu'avant, t'étais pas trop PlayStation. De quoi? T'étais pas trop PlayStation quoi. Au début, j'ai commencé avec du Nintendo, j'ai continué avec du PlayStation, j'ai fait un peu de Microsoft et je suis revenu dans le PlayStation. Donc c'est vrai que, enfin, je suis repassé par Nintendo, je suis revenu dans le PlayStation. Ah ouais. Après, si je devais citer toutes les consoles que j'avais eues, Les deux premières consoles que j'ai eues, c'est quand même, ça a été quand même la GameCube et la Game Boy. D'accord. Avec un Zelda sur chacun. Un Zelda sur chaque console, quoi. Sur GameCube, j'avais aussi un peu de... J'avais du Mario Kart, des Sims, du Mario... Qu'est-ce que j'avais comme Mario? J'avais Mario Party. Et puis, il y a Animal Forest. Ok. Enfin, Animal Crossing GameCube. D'accord. C'est sur le Nintendo 64. Ouais, bon, ok. Et enfin, la dernière question. Comptes-tu acheter la PS4 bientôt? Bah, je l'ai déjà chez moi. Mais elle est à mon père, donc du coup je peux pas trop y jouer. Mais je pense que je vais attendre, parce que c'est vrai que là, les premières versions, ça vaut pas vraiment le coup, je trouve. Vaut mieux attendre les prochaines versions comme la PS3 en fait. Parce que c'est vrai que la PS3, quand elle est sortie, tout le monde l'a acheté et tout. Mais il y en a très vite, il y en a eu d'autres qui sont sortis, et à mon avis, ça va être la même chose pour la PS4. Voilà. D'accord, donc je crois qu'on a tout. Donc on va se quitter sur cette interview. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci à vous de me reposer. Tu peux me tutoyer. Je sais, je fais exprès. Ouais, donc on va s'arrêter là. Donc je vous souhaite de passer de très bonnes soirées. Enfin, une très bonne soirée, très bonne journée. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose. Pour ceux qui ont d'autres questions à me poser, j'ai un ask. Donc c'est mon pseudo. Oui, non, mais c'est mon pseudo Facebook. Ouais, de toute façon, je mettrai un lien dans la description pour en te posant des questions. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très bonne journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de jeu ou d'une prochaine interview. Donc je vous dis au revoir. C'était Barnabas, bonsoir.